Diro Pointiapanda, parti ici de la ville de Butembo jusqu'à la mairie, via le centre-ville, l'itinéraire a été bien suivi. Une vingtaine, les manifestants Il faut Europe VGH, s'est appelé centre-ville, ont observé et sit-in. Quelle a été la motivation majeure de cette manifestation pacifique? Un militant de la Lucha, section de Butembo, fixe l'opinion. Oui, nous sommes dans la rue aujourd'hui. C'est pour dépuyer les comportements de nos députés qui veulent qu'on augmente leur salaire de 2 000 $ alors que la population congolaise vit dans une misère très, très accablante. C'est pourquoi nous sommes dans la rue. Nous nous opposons contre cette augmentation de ces monuments de députés pour qui le salaire est déjà autour de 7 000 $ alors que la population qui leur a donné mandat continue à souffrir. Aujourd'hui, nous avons la pandémie du coronavirus, nous avons la sécurité à Beni, nous avons le taux d'échange qui monte à la croisière. Et ces députés, au lieu de plaider pour ces peuples qui ont de souffrir, ils se mettent maintenant à vouloir qu'on augmente leur salaire. C'est pourquoi nous sommes dans la rue en dénonçant et en appelant ces élus nationaux à la prise de conscience. Cette marche pacifique a chuté à l'hôtel de ville où un mémorandum a été déposé au délégué de l'autorité urbaine.